fermé au bois de Boulogne. Tenez, regardez bien l'homme qui descend de cette 4 chevaux. C'est le plus extraordinaire champion de billard que le monde ait jamais connu. C'est Roger Conti. Depuis bientôt 30 ans, ce Béarnais règne sur ce sport comme aucun autre champion ne l'a jamais fait dans aucun autre sport. Ce footing quotidien est-il l'arme secrète qui lui permet à 50 ans passés de réaliser des performances toujours plus étonnantes. Un peu plus tard, dans la matinée, il est au travail. Comme un violoniste fait des gammes, lui vérifie son mécanisme par des exercices d'assouplissement. Aficionados viennent passer un moment en compagnie du maître. Vous trouvez là aujourd'hui le boxeur du Ménil, le coureur Elmabrook, l'acteur Pierre Trabeau, la danseuse Danielle Darmans, en plus de quelques célébrités du billard amateur. Tiens, puisque par extraordinaire Conti s'entraîne à l'américaine, demandons-lui ce qu'est exactement cette forme de jeu. Bien, série américaine est une position le long des bandes que l'on recommence presque indéfiniment. Je vais d'ailleurs vous en donner une démonstration. Ce monsieur impassible est Fernand Drouet. Il fut l'un des plus grands champions professionnels français. Et précisément à l'américaine, dépassa souvent la série de 1000. Admettons que c'est un connaisseur. Arrêtez, arrêtez. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour contourner le coin? Vous pourriez recommencer? Eh bien, cela s'appelle tourner l'américaine. La tournée, pour la continuer par là, je vais recommencer d'ailleurs, vous allez voir. Voilà, il faut continuer comme ça, évidemment, c'est... vous ennuyez avec ça. Alors, si je comprends bien, quand on possède l'américaine, on est fort à la libre. Oui, mais à la condition de l'avoir, cette position spéciale. Comment ça, l'avoir? C'est-à-dire de l'obtenir, de l'apprendre. On ne l'a pas toujours. Et l'obtenir, c'est toujours un tour de force. D'ailleurs, je vais essayer de prendre l'américaine en tentant, si vous le voulez bien, une position spéciale. Voilà, je vais partir cette position et je vais essayer, au bout de quelques coups, de prendre l'américaine. Mais c'est une position facile. Oui, c'est entendu, mais je vous ferai remarquer que la rouge et la blanche ont une tendance à échapper vers le centre du billard. Je vais être obligé de tourner la position, c'est-à-dire de passer en face de bille, pour prendre l'américaine vers la petite bande. Alors j'avance la blanche, et je reste sur la rouge. Alors je passe entre les deux. Et je vais rappeler la blanche pour rapprocher de la petite bande. Je vois l'américaine qui se dessine très bien. C'est pour endiguer ce déluge de carambolage qu'on a été obligé de trouver autre chose pour les grands joueurs. Exactement. On a inventé les jeux de cadre. Que vous considérez tout de même comme de la grande musique. Si vous voulez, à la vérité, les jeux de cadre aujourd'hui sont les jeux qui seuls classent les hommes et jauge les valeurs. Des lignes tracées à 47 cm des bandes déterminent des rectangles et des carrés. Dans l'ancien cadre à deux coups, la zone centrale était libre. Mais sorti de cette zone, on ne pouvait faire qu'un point dans l'un quelconque des secteurs numérotés. Au second coup, obligation de faire sortir une bille. Ayant fait quelques points dans la zone libre, Roger Conti fait un rappel de la rouge. Ce rappel n'est pas impeccable. Il va rectifier par un demi-massé. Après un nouveau rappel, il obtient cette fois une position parfaite. Les billes sont entrées dans le cadre 2. On va maintenant les rapprocher de la bande dans un secteur jugé favorable. Au coup suivant, il faudra sortir une bille du cadre 2. Voyez, la blanche est sortie au millimètre près. On passe légèrement à droite de la blanche. Cela s'appelle prendre la dominante. Le rappel de la blanche est parfaitement exécuté. Sur
la ligne. Ainsi, Roger Conti obtient la position dite à cheval, qui est le moyen pour les très grands joueurs de faire échec aux règles du cadre. Placement favorable sur la blanche, afin d'obtenir un rappel exact au coup suivant. Ce rappel s'achève évidemment sur la ligne. Attention, blanche et rouge viennent d'entrer dans le cadre 1. Une difficulté se présente. Conti hésite, il a le droit de faire un seul point. Voilà, maintenant il faut sortir une bille. Il sort la blanche et rappelle la rouge avec une extraordinaire précision. Tout est rentré dans l'ordre, bille 2 et bille 3 sont proches l'une de l'autre à proximité de la ligne. Notez qu'à ce jeu, au cours d'un match mémorable, Roger Conti, pulvérisant tous les records du monde, réussit une série de 1214. C'est à la suite de cet exploit qu'on supprima la zone libre, qui dans l'actuel 47-2 intégral est devenue un cadre comme les autres. Mais deux coups, c'est encore une trop grande tolérance aux yeux du maître, qui ne se passionne vraiment que pour le cadre de 47-1, où il faut faire sortir une bille à chaque coup. Ici, le voisinage des lignes est une nécessité absolue. La blanche est sortie d'extrême justesse. C'est maintenant au tour de la rouge d'être sortie et rappelée. Ah, un incident. Les billes sont en ligne. C'est le redoutable masque. Heureusement, Conti s'est massé, nous nous en doutions. Et la position est rétablie. Rappel de la rouge par deux bandes. Un point de préparation. Et de la main gauche. Un rappel parfait sur la ligne qui donne une impeccable position à cheval que Conti va s'efforcer d'épuiser, comme on dit. À ce jeu d'une infernale difficulté, le maître a établi un record du monde qui semble à jamais hors d'atteinte, une série de 416 points. Ce qui veut dire que pendant près de 2 heures d'horloge, il n'a pas manqué un seul carambolage. C'est tout simplement stupéfiant. Et pour finir, vous allez assister à une démonstration de haute fantaisie classique. Profitons de ce que Conti se repose un instant pour vous donner quelques explications. Cette spécialité exige des qualités musculaires exceptionnelles de puissance, de vitesse et de précision. Les parcours des billes vous paraîtront déconcertants, sinon invraisemblables. C'est pourquoi nous vous garantissons formellement la parfaite authenticité de ces coups qui ne comportent aucun trucage. Voici pour commencer un fouetté rétro par trois bandes. Une bande, deux bandes, trois bandes et le point. Un coup de même famille, mais plus compliqué, car il est en quatre bandes et avec obstacle. Une bande, deux bandes, trois bandes, quatre bandes et le point. Couler, sauter, trois bandes. Une bande, deux bandes, trois bandes et le point. Coup de trois bandes par bande avant. Une bande, deux bandes, trois bandes et le point. Coup dur avec obstacle. Vous remarquerez la hurissant parcours en dents de scie que va suivre la bille. Une bande, deux bandes et le point. Couler rétro trois bandes au ralenti. La difficulté est de toucher deux fois la même bande. Massé en touchant d'abord la blanche, pourtant complètement cachée. Massé de même famille au ralenti. Par la violence de l'attaque, la bille du joueur fait d'abord trois sauts, semble manquer son but et comme téléguidé revient toucher la rouge en premier. Couler rétro avec obstacle. Un coup de même nature au ralenti. La bille du joueur, ayant chassé la rouge, fait trois sauts pour contourner la blanche, qu'elle ne doit caramboler qu'après avoir fait trois bandes. Couler sauter avec obstacle. Il faut caramboler en contournant la quille sans la toucher. Massé dit du chapeau de gendarme. Après une attaque sans appui, éviter l'obstacle et revenir caramboler par trois bandes. Une bande, deux bandes, trois bandes et le point. Un fantastique massé par cinq bandes dans le coin. Au ralenti,
le plus extraordinaire massé qui ait jamais été enregistré par une caméra. 5 bandes dans le coin, dont 4 fois la même. Et enfin, pour terminer cette éblouissante démonstration, le fameux coup de la quille. Et maintenant, si d'aventure vous pénétrez dans une académie de billard, vous comprendrez mieux l'espèce de recueillement qui caractérise la pratique du noble jeu. Vous saurez l'importance de chacun de ces gestes rituels qui précèdent l'exécution d'un coup. Vous ne vous étonnerez pas de lire dans le regard tendu de ce garçon un effort de concentration qui est indispensable, car dans une partie, chaque point compte et d'un seul point peut dépendre la défaite ou la victoire. Vous admettrez qu'on puisse être un mordu de ce sport comme d'autres le sont du football ou du tennis. Et vous serez indulgent pour ceux-là qui ne se décident pas au soir de leur vie à s'éloigner de ces tables de match qui leur dispensèrent naguère tant de joie et tant de peine et qui rêvent peut-être d'un paradis peuplé de billards où les séries seraient à la mesure de la vie éternelle.